Salut à tous, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui, à la base, elle aurait dû sortir le 1er janvier. Pourquoi elle n'est pas sortie le 1er janvier? Et bien parce que pour ceux qui le savent, sur GTA il y a beaucoup de véhicules qui ont des réductions et que je n'avais pas. Genre par exemple les véhicules de braquage, bunker, PDG ou encore hangar. Et tout ça, j'avais beaucoup de véhicules à vous que je voulais acheter. On va dire cette vidéo était prévue depuis le mois de septembre, mois d'octobre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les missions de braquage, bah, le braquage, ils sont arrivés il y a à peu près un mois et demi. Mais par exemple, hangar, bunker, PDG, tout ça, il y avait beaucoup de véhicules que je voulais acheter, mais que j'avais jamais fait les missions pour avoir les réductions. C'est-à-dire que à la base, je voulais acheter tout sans réduction. C'est-à-dire qu'il y aurait des trucs que j'aurais pu payer ça 3 millions, 4 millions, 5 millions, alors que j'aurais pu les avoir beaucoup moins cher. Et du coup aujourd'hui voilà, là je vais faire que des achats de véhicules. C'est-à-dire que désolé s'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà fait ces vidéos sur YouTube, par exemple présenter chaque véhicule, parce que ce qui va se passer aujourd'hui, je vous montre tout ce que j'achète, et dans d'autres vidéos ça sera des présentations de chaque véhicule que j'aurai acheté. Là dans, ouais, je vais acheter que ce soit véhicule aérien, c'est que dire avion, hélico, moto, voiture. Et à la fin, je vais aller acheter des vêtements, vu qu'il y a beaucoup de vêtements que je suis pas encore allé voir, ou que je suis peut-être allé voir mais que j'ai jamais pensé à acheter. Du coup, je vais bien acheter pas mal de trucs, tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Du coup, direction le portable. J'avais fait une petite liste pour savoir quel véhicule que je voulais acheter exactement. Pour ceux qui me croient pas, je vous mets un screen sur l'écran si vous voulez. J'ai vraiment mis bon, je l'ai pas ouvert juste avant la vidéo. Il y a beaucoup de véhicules que je veux acheter. Bon, déjà on va commencer par le moins cher, enfin dans le moins cher, comme j'appelle ça, dans les voitures basiques. C'est sous terme mais j'appelle ça les voitures basiques. Les voitures que j'ai voulu prendre, c'est celle-là. Celle-là, voilà. Je vais vraiment vous dire pourquoi j'ai envie de prendre celle-là. Parce que clairement, celle-là me fait penser. Ah, déjà, vu qu'elle est gratuite, elle a l'air un peu stylée. Et c'est une voiture qu'à la base, pour ceux qui ont joué à Vice City, si je me trompe pas, elle était dans Vice City à ce moment-là. Bon, je vais la prendre en noir. Ouais, attends. Je vais foutre ça où? Je vais mettre dans garage de fonction 3, j'irai voir après. Je vais aller tout chercher. Voilà, il y a ça que je voulais acheter. Ah, et maintenant elle est... Ah ouais. Je l'ai posé une fois, je la reprendrai pas une deuxième fois. Après j'ai demandé à la Ubermatch Sentinel XS. Je vais la garder en blanche. Alors, pour ceux qui voient l'argent en haut, parce que justement, quand je vous parlais de réduction, tout ça, c'est parce que, comme vous voyez en haut à droite, j'ai un peu plus de 85 millions, je suis presque à 86 millions. Je n'ai ni un lobby, je n'ai ni fait de glitch, c'est juste parce que j'ai économisé pendant des mois et des mois. C'est pour ça que vous allez voir des véhicules que j'achète dans cette vidéo-là, qui sont sortis il y a plusieurs mois de ça. C'est juste que depuis, on va dire, avril, mai, voire juin 2017, j'ai économisé de ouf. Les seuls trucs que j'ai acheté, c'est le complexe, le bunker, le hangar, le centre d'opération mobile et quelques véhicules qui m'intéressaient vite fait, comme le dernier véhicule en date que j'ai acheté, je crois, c'est la XA21. Pour dire à quel point ça remonte. Garage de fonction 3. Normalement j'ai fait le calcul, normalement je vais tourner autour de 60 000, on va dire entre 65 millions et 75 millions dans ces eaux là que je vais acheter. Tout ce que je vais acheter, voilà. Ensuite on va aller dans Legendary maintenant. Bon, il y a la nouvelle voiture que je vais acheter, que je vais pouvoir les présenter aussi. J'ai un peu la voix cassée, ça. Voilà, c'est bizarre. Vas-y, on va l'acheter celle-là. Je vais tout mettre dans mon garage de fonction 3 et
fois le tri plus tard. Voilà, la gros 10-500. Enfin, je prends des couleurs comme ça, mais après je vous modifierai bien plus tard. Voilà, gros 10-500. Il y en a pas d'adis, je vais la prendre aussi. Vas-y, je vais tout en noir pour le moment. Ah, c'est bizarre de voir mes millions tomber comme ça. La haute arc que je vais essayer de prendre aussi. Je ne sais pas, parce qu'on m'a dit comme quoi si on achetait beaucoup trop de véhicules dans une journée, ça pouvait nous bloquer. J'espère pas que ça va pouvoir me bloquer avec tout ce que je vais acheter. Putain, je l'ai même pas noté cette voiture. Là, ce matin, ils vont voir avec des voitures, ils vont rien comprendre. Et pourquoi j'ai, pourquoi j'avais mis autant de temps pour avoir les réductions? Parce que les réductions, j'y pensais pas trop à la base. Comme par exemple les braquages, et là quand vous voyez cette vidéo, on est le mardi 23, bah c'est le même jour que je la tourne. J'ai terminé mes braquages dimanche soir. Voilà, du coup j'ai vraiment mis du temps à tout mettre en place, tout ça. C'est-à-dire que j'ai décidé de tout acheter, de vouloir faire ma vidéo. En fait, je voulais la tourner fin décembre. Et quand j'en ai parlé à ce matin, ils m'ont dit, mais tu vas voir, t'as vu tous les millions, tu vas perdre si tu prends pas les réductions et tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y avait... Je prenais au moins 10 à 15 millions dans le cul. Avec tous les véhicules que je voulais acheter sans les réductions, je me mettais au moins 10 à 15 millions dans le cul. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris du temps. Même sur mes lives, etc. J'ai fait les missions de hangar, j'ai fait les missions de bunker, de bureau et les braquages, j'ai terminé il y a quelques jours. Du coup, voilà. Du coup... clairement j'ai bien fait, parce que c'est vrai qu'en y pensant 10 à 15 millions dans le cul, ça fait quand même mal. Parce que là j'étais à 86, presque à 86 millions. Là c'est la première fois qu'en gagnant de l'argent moi-même, je montre, parce que c'est dans, comme j'ai déjà dit dans des vidéos, on m'a déjà fait des ni lobby ni glitch, j'ai déjà fait un glitch. Et on m'a déjà donné de la thune avec. C'est un modeur qui m'a déjà donné de la thune sur PS3. Du coup, j'ai eu deux fois 40 millions. Une fois avec le modeur et une fois par un glitch, mais il y a un peu plus d'un an. Et du coup, là, ça fait depuis plusieurs mois que j'économise de ouf. Du coup, de moi-même, c'est la première fois que je monte à presque 86 millions de thunes. Et à la base, je voulais faire cette vidéo avec 100 millions. Mais dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre et dans le mois de décembre, il y a eu plusieurs jours, même encore là au mois de janvier. Il y a eu énormément de jours où je suis connecté, genre par exemple hier, j'étais connecté vite fait, j'ai fait mes objectifs quotidiens. Après plus rien, je n'ai plus rien fait, je me suis déconnecté de GTA, j'ai plus rien fait de la journée. Voilà, tout simplement. Ça m'a... Je voulais plus... J'avais plus l'envie de... J'avais plus l'envie de jouer tout ça. Du coup, il y a eu plusieurs jours comme ça. Et du coup, plusieurs jours où j'ai pas pu me faire de l'argent en attendant. La cyclone, j'ai décidé de la prendre aussi. Ça m'a blindé mes garages. Heureusement que j'ai de la place, parce que... Ensuite, la Nagasaki Shotaro. J'avais décidé de prendre. Ah, parce que je suis peut-être rapide avec la boîte 800. Mais clairement, il y a des courses, genre les courses casse-cou de Rockstar. Quand il y a des courses de moto, qu'il y a une Shotaro ou il y a une Akuchu Drag qui sont dans le coin, ah, c'est pas la même. Pas du tout la même. Il y a un truc qui s'est rajouté là. Ah, je pensais qu'elle coûtait plus cher que celle-là. Ensuite, la Reaper.
voiture que j'ai déjà acheté. Je crois pas que j'ai déjà fait une vidéo dessus de présentation. Une voiture que j'avais acheté il y a pas mal de temps, mais elle me donne envie de la racheter. Il y a pas mal de voitures que on va dire qu'ils ont sorti il y a pas mal de temps, que j'ai déjà acheté sans faire de vidéo bien sûr. Bon, désolé pour l'éclairage parce que j'ai pas encore acheté de lumière etc pour bien m'éclairer quand je tourne une vidéo. Mais il y a beaucoup de véhicules qui sont sortis il y a pas mal de temps, que j'ai déjà acheté, comme la C270 que je vais acheter. Il y a la Massacro que je vais acheter juste ensuite. Du coup il y a beaucoup de voitures que j'avais acheté avant, mais là ça me met plus. Ouais, que j'ai acheté avant mais que j'avais pas commencé les vidéos de présentation de test de véhicules. Ouh, voilà quoi. Maintenant c'est là Massacro. Allez, Massacro. Et bon, pour ceux qui se disent oui, pour tu prends des couleurs dégueulasses, c'est juste que je prends des couleurs rapides à prendre. Après, je vais vraiment modifier à ma manière les voitures quoi. J'avais dessiné quoi aussi, la Jester. La Jester, c'est vraiment la voiture qui coûtait clairement assez cher. Pour moi au tout début que j'ai commencé GTA, c'est ma quatrième voiture que j'ai vraiment acheté, parce que les trois premières voitures que j'ai acheté, je les ai pas acheté les trois premières voitures que j'ai eu sur GTA. C'est un muscle américain, désolé, une coupée je crois, et après la dernière je crois c'était une Dominator. Les trois voitures je les ai volées dans la rue, et après c'est la Jesta que j'ai acheté qui m'intéressait énormément. Et je vous parle de ça il y a un peu plus de 3 ans quand même. C'était en 2014. Dernière voiture aussi que j'ai déjà acheté aussi. Elle est où. Mais je la prends en cabriolet. Du coup bah pour les gendarmes, j'ai tout pris. Ah bah là on va dans le plus sérieux maintenant. Alors, pourquoi ça m'a changé le truc là. C'est tout ce qu'il faut, la liste, ok. En premier, l'Avenger. Ah ouais, ah ouais, c'est ça. Ok, intérieur. Ok. Tout ça. Toile. Ah bah oui, on met les toiles bien sûr. Ok. Le véhicule. On met. Atelier d'art. On met. 4 millions. Merci le téléphone. Vas-y. Hein. Ça fait mal au cul quand même. Hein. Parce qu'il y en a plein qui me disent ouais, même dans ma team, il y en a plein qui me disent ouais, ça va atterrir jamais. Bon, je vais avoir beaucoup de trucs à partir d'aujourd'hui. Là, je commence à avoir pas mal de trucs qui vont dans mes garages. Sauf que je me retrouve avec 5 à 10 millions hein, dans les poches. Hein. J'ai pu me retrouver avec 80 millions. Ensuite, la Deluxo. Ah ça je suis un peu obligé de le prendre. Voilà. Ça aussi. La Stromberg, ça c'est pour aller sous l'eau. Je mets tout, voilà, je mets tout dans le garage. La Cula. Un volatile, il me donne pas trop envie, tu vois. Le barrage,
Ah, trop de voitures. Alors, on va mettre ça dans le garage de fonction 2. Le chien de bug. Le hunter. La vigilante, ça c'est un truc que j'attendais aussi. Ça fait quand même mal au cul. Bon, à la base, là on est, comme je vous dis, on est le 23, le jour où je tourne la vidéo. Mais à la base, je devais tourner cette vidéo là hier. Parce qu'à ce moment là, il y avait le Pyro et le Nightshark qui étaient en réduction. Pas en réduction, en promotion. Parce que les réductions, je sais pas. Mais en promotion, du coup, j'aurais dû payer moins cher. Mais vu que j'ai pas envie de jouer hier, du coup, j'ai pas fait la vidéo. Le Pyro. Ah, là, j'en ai à voir des modifications à faire. Le module. C'était le molotov que je voulais, voilà. C'est bizarre de retourner dans les 20 millions. Ah, les 20 millions, ça fait... Si je dis pas de conneries, depuis cet été que je les ai pas atteints, les 20 millions. Je me suis pas retrouvé. Ah, mais il y a la PC en réduction. Un bon point. Un bon point, un bon point. Et avec ça. Ok, APC en réduction. Touche ligne non plus. Oppresseur, ouais. Tant pas armé. Ouais. Ah, ça j'ai oublié de le mettre. Ça j'achète. Ouais, il y a des véhicules que je n'ai pas encore acheté comme celui-là. Oui, spécial. Voilà. Des véhicules vraiment, comme je vous dis, les véhicules de PDG, ouais, je les avais pas achetés. Ça fait mal au cul, ça fait mal au cul, je vous dis même pas. Ça, je voulais prendre aussi pour aller sur l'eau. Les oracles, ok. Western, j'achète. Et le dernier truc que je voulais acheter. Si je me trompe. Ah, promotion sur la limousine, mais ça m'intéresse pas. Le cargo bob, c'est quelque chose qu'on a besoin. Qu'on a personne là dans son bâtiment, mais qu'on a besoin. Du coup, j'ai décidé de l'acheter. Et je crois que ça peut être tout ce qui me donne envie, à part s'il y a un truc en réduction en bas, en promotion en bas. Le message, j'avais déjà acheté, ça va, j'ai déjà, Valkyrie, j'ai déjà, Ion, j'ai déjà, un survivant, j'ai déjà. Ah bah c'est à peu près tout pour ce qui est de ça.
Oula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 l